Alors, j'avais ça, ça sert à rien. Bon, du coup, je passe en QWERTY parce que j'ai oublié. Donc, je disais, le boss va arriver de par ces quatre entrées-là. Les batteries, ici, font plusieurs choses. Ici, en fait, elles vont me permettre de débloquer, je vous montre avec ça, une sorte de... comment je pourrais dire? De courant électrique que je vais pouvoir venir poser ici sur des interrupteurs, en fait. Qui vont me permettre de balancer de la vapeur qui vont repousser le boss. J'ai deux... Hop, deux entrées sur les côtés par lesquels le chat peut passer. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ça c'est chiant. Dégage. Hop, je vais les condamner pour le moment, sachant que là, regardez, on a quatre batteries qui sont nécessaires. Le boss peut aussi pas arriver par au-dessus. La première va lancer le boss fight, d'accord? À chaque fois, au bout de 30 secondes ou 40 secondes, on va devoir remettre une batterie, donc supprimer un effet. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que ça, c'est simplement la lumière. La lumière, on la dégage. Ok? C'est hyper compliqué, c'est pour ça que j'ai galéré hier. Et en fait, c'est pas évident de gérer les mains à chaque fois, parce qu'il faut changer de main en plus et c'est assez long. Ce pistolet-là va permettre de vérifier si Catnap est bien réel ou si c'est juste une illusion à cause du gaz rouge, en fait, qui nous fait avoir des hallucinations. Et on va devoir ensuite s'amuser à empêcher Catnap de passer par la gauche, la droite, le haut. Ensuite, on débloquera une des entrées sur le côté. On y fera bien attention. Et au dernier moment, en fait, comme il n'y aura pas assez de batterie, comment je pourrais expliquer ça? Catnap est plus capable, en fait, de passer sur les côtés. Donc, il peut arriver que par ces côtés-là. Donc, en fait, ça va pas vraiment être très, très chiant. Le seul truc chiant, c'est que quand il arrive d'ici, je suis obligé de courir là, sauter, reprendre la main, faire ça. Sans me tromper, parce que sinon je perds du temps, vous voyez, hop, et voilà, mettre de la vapeur, et ça me prend énormément de temps, donc c'est hyper chiant. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper relou. Je vous cache pas que ça m'a pris la tête plus d'une fois, et après de ce côté-là, c'est chiant parce que, ben évidemment, on doit ouvrir la grille, faire ça, et venir choper le bon si jamais il passe. Mais en général, il passe pas sur les côtés sur la fin, donc on est relativement safe. Voilà, en gros, hop. Maintenant, on va me dire. Ah bah c'est... Le boss fight est parti. Ça c'est le vrai. Il était passé à gauche, là je l'ai entendu crier. Vous voyez là il vient d'arriver et je viens de le griller, c'était un fake. Ce serait magnifique que ce soit un first try, j'aimerais beaucoup. Le bla. C'est le vrai. Je change de main. J'ouvre. J'électrifie. Vous voyez, il est juste là. Bon, là, on a un peu plus de temps parce qu'il est très très lent au début. Merde. On le dégage. On ramène ça. On le jette. Hop, ça se fout là. Par chance, il n'est pas là. Après, il passe derrière moi aussi. Hein. Mais ici, c'est pas important, on s'en fout. Le but du jeu, c'est surtout de s'en débarrasser. Je pense qu'il va finir par arriver par le haut. Exactement. Il est juste là en haut. On ferme la trappe. Ça va pas tarder à ressonner, je vais supprimer le côté droit. C'est le vrai. Hop. On prend ça, on se retourne, on vient là, hop. On l'arrose. Le temps ne baisse pas quand c'est ça. C'est encore un fake. Choper, je crois. Trop lent. Ouh, c'était juste. Ok, c'est passé. C'est un fake. C'est un vrai.
je fais trop de la merde, mais ça passe, donc on va pas se plaindre. Et là, c'est ici où je perds tout le temps. Et il me chope à chaque fois parce qu'il va trop vite. Il va trop vite. Je vous jure. Il est hyper rapide. J'ai l'impression d'être... juste mauvais, quoi. Là, ça va être celui-là. Ok, en gros, là, il me dit que je peux faire ça. Merde. Mais là, ce qui me casse les couilles, c'est que je suis obligé de monter. En fait, je perds du temps. C'est ça, moi, qui me baise, c'est que je perds du temps. Et je sais pas pourquoi, le perso, en fait, il tape des bails vraiment relous à se mettre sur le côté. Je sais pas si vous avez vu. Et ça baise de fou, en fait. La perception qu'on pourrait avoir du truc, quoi. Je suis obligé de focus, les gars, il est trop dur ce boss, vraiment. C'est celui-là qui me met dedans à chaque fois. Le taux était à 0. Je me suis fait bouffer quand même, j'ai pas compris. Je pensais que c'était réglé.
Je suis dégoûté. Incroyable. Je suis blasé. J'étais sûr de l'avoir eu. Fuck. On est d'accord, hein, le temps était à zéro, hein, je comprends pas. Peut-être que j'aurais dû choper ça et puis j'aurais appuyé là. Déçu un peu. Mais bon, ça arrive.
Bah, je pense que j'avais gagné en fait, mais. Ça va, Souko? Genre, j'ai littéralement baisé le boss, mais ça marche pas. Vous comprenez. J'ai pas pu tester hier poulet Kaizen, je suis désolé. Je sais que j'y jouerai hier soir, mais j'ai pas eu le temps. Pardon. Je suis dégoûté. Ouais, ça va, je fais un petit sparring de boxe tout à l'heure, c'était rigolo. Un sparring, un petit. Oh, bah, je fais une petite session, tranquille. Eh, il pèse rien le jeu, j'ai débloqué, gros, il fait 3 gigas. Barre de baiser. Tu sais que j'ai appris ça tard, mais en fait, Poppy Playtime, ça vient de FNAF 1. Il est pas là. Bah en fait c'est un Poppy à la base, c'est un perso dans FNAF apparemment. J'ai dû aller avec moi aujourd'hui. En fait, mon bof il est passé tout à l'heure, lui il kiffe pas mal FNAF et m'a expliqué que ouais, Poppy c'était dans apparemment FNAF 2. Je sais pas où est.
C'est bien pour le GG. J'avais dit qu'on allait lui dater le cul. Enfoiré. L'enfoiré. J'en ai chié quand même. J'en ai chié. Merde. Pardon, je peux pas vérifier un truc. J'ai faim. Même pas. Je vais le bouffer. Bah 4 try, mais après gros hier j'ai passé 1h30 je pense dessus. 4 try du coup ouais non. C'est où la sortie bruh? Bruh. C'est où la sortie bruh? L'autre main ça marche pas, c'est pas une vraie main, elle s'est pas appuyée sur les vrais boutons. Ah, j'ai plus ma main verte, du coup elle a explosé dans sa gueule. Bref. Elle ref. Merci Lambine. Co-workers, you want to know what happened and why. Ah, on va savoir. This is your answer. We called it the hour of joy. Ça, c'est la meuf du chapitre 2. C'est une petite peluche. Ça, c'est les profs. Mommy.
4 nappes. J'ai pas envie de me retourner, mais bon. Ah, est-ce que tout le monde s'est fait décimer, quoi, aux gens? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something...